Salut tout le monde, bande de petits kebabs. C'est XKizXVIII, vous préférez Maître Kebab. Eh oui, je suis votre maître maintenant qui présente cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur FIFA Ultimate Team, mais pas sur PS3, parce que vous avez l'habitude de me voir sur PS3. Mais maintenant, j'ai changé. Non, pas PS4. Non, pour l'instant, j'ai pas encore les moyens. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir une console nouvelle génération qui va me casser directement. Parce que pour l'instant, j'ai peur de cette console. Parce que pour l'instant, c'est pas si elle est fiable. Hein. Donc moi, je préfère attendre. Tout simplement. Donc je suis passé sur GameCube. Hein. Très magnifique. Vraiment une magnifique console. GameCube graphique. Voilà, vous regardez. Hein. Des magnifiques graphismes. Non, je rigole. Je rigole tout simplement. Je suis passé sur PC. Oui, PC. Alors, vous allez me dire pourquoi aller dans une nouvelle horizon, mais là très très loin, tu as pris vraiment un autre chemin. Comment ça s'est passé? Pourquoi aller sur PC? Bah écoutez, c'est pas par obligation, c'était juste par envie. Parce que ma soeur étant gameuse, je suis allé chez elle il y a quelques mois, tester FIFA 14. Sur PC. J'ai découvert un autre monde. Vraiment, la communauté, les gars, je peux vous l'assurer, c'est une communauté de bonhommes. Voilà. C'est pas des gamins de 10 ans qui vont jouer sur PC. Ah, ça c'est sûr, les gars. Moi j'ai 15 ans, là je vais avoir 16 ans quelques jours. Mais quand je joue sur PS3, c'est toujours des petites majorités de 12-13 ans qui sont là avec leurs joueurs hyper cheatés et qui vont me faire des buts de PES, qui vont me faire rager comme pas possible. Hein. Mais là, la moyenne sur PC, les gens qui jouent sur FIFA, ils ont déjà la 25-30 ans. Hein. Le mec, il a 6 gosses, il est père de famille. À 16h30, il va chercher ses gosses à l'école. Hein. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 15 ans qui jouent sur FIFA. Hein. Moi perso, dans une communauté française, je suis un peu... Bon, je regarde un peu les communautés françaises sur PC. Je parle un peu à des gens sur PC aussi sur Skype. Ils ont vraiment 27-30 ans. Je fais... Ouais. T'as quel âge? Ouais, bah j'ai 15 ans. Ah. Ah bah on dirait pas. Il croyait que j'avais déjà la vingtaine, tu vois. Je fais bon, c'est gentil, hein, c'est sympa. Mais ouais, quand même, il y a des communautés vraiment de vieillards. Mais... C'est bien, parce qu'ils sont pas là pour faire chier, tu vois. Ils sont là pour jouer pour le plaisir. Ça, c'est bien une communauté comme ça. Ils sont là pour jouer pour le plaisir. Ils sont pas là pour jouer à faire rager les gens, à énerver. Ils sont là pour plaisir, comparé à la PS, aux consoles, tout simplement. Xbox 360, PS3, après je sais pas la communauté PS4, Xbox One. Mais PS3, Xbox 360, ils sont là pour te faire rager. Ils sont là pour faire des équipes super cheatées. Et puis, voilà, tout faire pour gagner, quoi. Tout simplement. Comparé au PC, on est là pour le plaisir, on est là pour bien se marrer. J'ai rencontré des gens hein, sur PC, c'est rare, c'est très rare en ce moment. Vraiment, sur PC, j'arrive pas à trouver des gens pour faire un club pro. Mais j'ai rencontré certaines personnes que je mettrai sa chaîne dans la description, Johnny Katz. Alors, bientôt, je vous prévois de faire une vidéo avec lui. Donc, il a 60... Il doit pas passer les 100 abonnés, sincèrement, mais il mérite énormément. Il mérite de gagner beaucoup plus d'abonnés, il mérite de rattraper tout le monde, tous les youtubeurs, de ce que vous voulez. Sincèrement, il a un commentaire d'enfer. Il commente super bien, je vous promets. Il fait un travail, mais vraiment très très bien. Voilà, ça se voit qu'il passe du bon temps en faisant ses vidéos. Donc il fait une aventure sur FUT, il fait les présentations d'équipe de la semaine, il fait quelques astuces d'achat-revente. Donc vraiment, je vous conseille de checker sa chaîne, hein, je mettrai dans la description. Donc simplement, mes kebabs, pour faire plaisir, abonnez-vous. Vous n'êtes pas obligé. Vous regardez ces vidéos, si ça vous plaît, abonnez-vous. Moi, j'oblige personne, hein, mes amis. Hein. Voilà. Donc on était au point positif. Donc ouais, je me retourne un peu. Parce qu'au fait, j'ai commencé à faire deux fois que je commente la vidéo. Donc en fait, je pars un peu en couille. Donc voilà, j'ai un peu expliqué... Pourquoi je suis passé sur PC, mais en aucun cas j'arrête la PS3. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Ouais, est-ce que t'arrêtes la PS3? Donc est-ce que tu peux me passer tes crédits? Je fais, tu fais ma gueule pour une fois? Oh, tu crois chez ma amie ou quoi? T'as cru de passer mes crédits? Non mais oh!
Tu te crois à la brocante ou quoi? Je dis, mais tu fous ma gueule ou quoi? J'ai au moins déjà 80€ d'investi sur PS3 et tu crois que mes 150 000 crédits d'achat-revente ou complètement dans les packs vont partir à toi gratuitement? Tout comme ça, ouais. Après, si tu fais une bonne pipe, ça me dérange pas, hein. Non, je rigole. Non, mais voilà, je donnerai le caca à mes crédits parce que je continue, hein. Sur PS3, j'arrête pas. Donc après, je vais revenir sur ça. Hein. Écoutez bien cette phrase, sur PS3, j'arrête pas. Donc, qui dit j'arrête pas de PS3, c'est continuer les séries que j'ai continué sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, moi, deuxième question de cette vidéo. FUT, FIFA, voilà, tous les modes différents de FIFA 14. Est-ce que c'est mieux sur console ou sur PC? Alors, sur PC déjà ça bug pas, ça bug très rarement. Si vous voyez des bugs là sur cette vidéo, c'est que Fraps, il me fait des siennes, il me fait des problèmes. Pour l'instant, j'ai pas encore la totale capacité extraordinaire de Fraps. Hein, pour l'instant, il est pas extraordinaire avec moi, il est pas gentil avec moi. Donc des fois, il fait des petits bugs. Donc j'ai beaucoup de descentes de FPS, même avoir un très bon PC, c'est bizarre. Pour l'instant, je pense, j'ai pas encore fait tous les bons réglages. Donc voilà, donc pour moi, on parle de bugs de connexion sur PC, il y en a très très mais très wallahatin, très rarement. Ça c'est sûr. Après, j'ai parlé de la communauté. La communauté, ils sont là pour le plaisir, ils sont là pour le fun, ils sont pas là pour foutre la merde. Donc déjà de deux, la communauté c'est positif. Le bug de, il y a pas de bug, c'est déjà bien. C'est très fluide. De 3. De 4, les graphismes pour moi, ils sont mieux, c'est plus clair, c'est un peu, pour moi c'est mieux. Je sais pas, bon, il y a des gens qui disent ouais, il y a pas trop de différence, mais pour moi c'est mieux tout simplement. J'ai beaucoup de potes qui viennent chez moi tous les samedis parce qu'on fait des chichas. On est souvent 6-7 chez moi. C'est des joueurs PS3, Xbox. Ils sont passés sur PC. Ils ont dit putain, j'ai envie de me l'acheter sur PC. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont fait, mais putain, graphiquement, c'est mieux. Et la communauté, elle est mieux. Sérieusement, vous pouvez passer chez moi. Vous le testez avec moi. Vous allez voir, vous allez directement avoir envie de l'acheter. Parce que c'est voilà, c'est magnifique. Vous passez vraiment à une occasion d'acheter sur PC. Vraiment, je vous le conseille. Si vous avez un bon PC, vous dépensez peut-être 30€. 30€ pour avoir un jeu comme ça, c'est donné. La communauté, elle est sublime. Voilà. Après, les carrières, bon, voilà, c'est la même chose que sur console. Voilà, là, j'ai un peu tout dit. Je pense que j'ai rien oublié. Des points négatifs, il y en a. C'est la communauté, mais juste à partir de la saison 2 en ligne. La saison 2 en ligne, les gens vont te ramener du Sturridge, du Walcott, du William, du tous. Tous les joueurs de BPL les plus cheatés, ils seront dans la saison 2. Tu vas faire charger joueur, joueur trouvé, tu vas voir l'équipe, ça sera la même. La même dans chaque match. Il n'y a rien qui bouge. Dans chaque match, ça sera la même. C'est ça qui est chiant. Parce qu'en saison 2, faut dire que je comprends les gens. Parce que c'est quand même 13 000 crédits pour la montée et 10 000 pour le maintien. Donc les gens, ils font tout pour avoir une putain d'équipe de bâtards pour gagner. Là, je comprends. Ça, c'est sûr. Mais c'est très rare, Jean. Moi, perso, je suis en division 2 et je reste toujours. Hein, je suis toujours, je monte pas, je descends pas pour l'instant. C'est déjà bien. Moi, j'empoche quelques crédits quand je monte pas là. C'est pas relégation, mais le maintien, voilà. Mais bon, moi division 2, je galère sur PC parce que la communauté elle est mauvaise à partir de la division 2. Mais sur PS3, on a plein qui galèrent déjà à la 7 ou à la 6, 5 maximum avec la communauté sur PS3. Hein, moi perso, là je suis en division 6 sur PS3. Bah, je galère complètement. Mais sur PC, je galère pas. Parce qu'il y a du bon jeu sur PC. C'est pas du Only Story. Soit c'est des équipes que j'ai jamais vu sur PS3 faire. Soit c'est vraiment des équipes que j'ai jamais vu
des équipes PC qui ont que j'ai jamais vu sur PS3. Les gens ils font des équipes mais bien sympas que tu verras jamais sur PS3 quoi. Des équipes bien fair play, pas des équipes rageantes. Parce que sur PS3 il y en a beaucoup, là sur console tout simplement. Donc voilà, je passe aux troisième question. Est-ce que je stoppe mes séries sur PS3? Alors en aucun cas j'arrêterai mes séries sur PS3, parce que si j'arrête mes séries de PS3, la carrec avec au stand, kebab la légende, la carrec l'OM, et ben il y aurait quoi sur ma chaîne? Du porno? C'est ça, vous voulez du porno? Ben pouvez-vous mettre du Lisa Monet? Ah, Lisa Monet. Ou je sais pas, en Amérique on peut connaître du Lisa Anne. C'est très intéressant, ou en français on peut connaître du Katsumi. Voilà, je suis pas un professionnel, hein. Moi je n'aime pas ça, je suis un ange. Je regarde Pokémon, je regarde les Simpsons, je ne regarde en aucun cas le porno. C'est très dangereux pour les yeux. Donc bref, en aucun cas j'arrêterai mes séries. Parce que c'est grâce à ça que ça m'a fait connaître. Ça c'est sûr. Hein. Moi tous les jours je passe sur ma chaîne YouTube. Pendant un mois, il y a un mois là, quelques mois, j'ai pas eu la possibilité d'aller sur ma chaîne. Pendant un mois, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai des soucis. Donc j'aurais pas mes abonnés. Un mois plus tard, je suis passé sur ma chaîne. Je fais what the fuck. J'ai dû y passer, je sais plus, on a au 200 000 ou 300 000 vues, je sais plus, ou 400 000, je sais plus du tout. Je pense que c'est 200 000, mais je suis pas sûr. On est passé aux 4000 abonnés. 4000 abonnés. Dites que dans 15 jours, ça fera 2 ans que je suis sur YouTube. 4000 abonnés, mais je pensais pas ça de moi. Je le répète à chaque fois. Je me dis putain, mais c'est quoi ce bordel quoi? 4000 abonnés, c'est, pour moi c'est magnifique. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, parce que bon, 4000 abonnés, il y a des gens qui m'ont suivi pour des Walshoes. C'est des Walshoes, c'est des vidéos sur le jeu complet. Mais avant je faisais la diversité. Donc maintenant je fais du FIFA et ça plaît pas à tout le monde. Mais ça plaît à plus grosse majorité maintenant. Donc maintenant je fais que du FIFA. C'est pour ça que maintenant je suis youtubeur FIFA. Donc je vais reprendre mes vidéos parce que j'ai eu des soucis, du privé. Donc en ce moment vous voyez que j'essaie de reprendre mon rythme. Hein. J'ai sorti une vidéo il y a 2-3 jours. Donc là, deux vidéos cette semaine. Je reprends mon rythme petit à petit. Je prends de plus en plus la passion. Parce que pendant un mois j'ai eu des soucis, donc j'ai perdu ma passion de faire des vidéos. Là je reprends tout tranquillement. Merci. Et le petit but de Cavani, magnifique. Allez, Cavani s'est fait plaisir. Voilà. Donc je reprends petit à petit. Vous inquiétez pas, je vais revenir. Hein, mes séries qui étaient mis un peu de côté avec ces soucis de ma vie, voilà. On veut reprendre, ne vous inquiétez pas. Je pense déjà ce week-end, soit la carrière avec l'OM, ou soit la carrière au stand, ou soit ma carrière kebab la légende. Il y a une des parties qui va arriver sur ma chaîne ce week-end. Après, je vais travailler. Je vais travailler vraiment. C'est ces jours suivants là qui vont arriver. Je vais faire des vidéos donc. Donc déjà je vais mettre à l'avance. Donc vous allez voir que ma chaîne va reprendre petit à petit à vivre. Donc déjà j'espère être présent ces prochaines semaines. Parce que je suis en stage, je vais commencer mon stage dans l'immobilier. Donc je vais faire finir à 18h. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais espérons que ça va avancer. Que ma chaîne, je vous promets, ma chaîne ne va jamais arrêter, ne jamais mettre de côté. Je vais continuer. Voilà. Donc c'est dit et c'est redit, mes séries vont continuer sur PS3. Après, comme je suis passé sur PC, est-ce qu'il y aura des vidéos sur PC? Bah actuellement, c'est un gameplay sur PC. Sur la compétition Ultimate, je pense que c'est ça, en ligne. C'est une compétition, la compétition or, hein, donc là, on est en quart de finale, donc c'est le premier tour. Donc est-ce que je vais gagner ou pas? Donc là pour l'instant je gagne 3-2, hein. Peut-être y aura des buts encore, on ne sait pas ce qui nous réserve cette vidéo, très suspense. Hein. Donc sur PC oui, il y aura des séries. Donc il y aura une série d'achat-revente. L'achat-revente pour les nuls. Ça sera ça la vidéo, hein. Ça sera une série. Donc je commencerai vraiment une achat-revente pour les gens qui sont, comment dire, qui n'arrivent pas. Moi aussi je suis pas un professionnel de l'achat-revente.
Hein, quand je me fais peut-être, si je fais une achat-revente pendant une journée, peut-être je vais me faire un bénéfice de Jimmy Crédit. Donc je suis vraiment un débutant, donc on va commencer tous ensemble. Donc déjà, je vous donner mes petits conseils pour l'achat-revente. Vous allez voir les joueurs pendant les vidéos que je vais vendre, etc., etc. Vous allez voir les bénéfices. Donc voilà, je prévois quand même dans moins d'une semaine quand même de faire une série sur l'achat-revente. Voilà, moins d'une semaine, hein. Un petit défi. Allez, une semaine, 10 jours, pour être gentil. Voilà. Après, une série, je pense, qui n'a jamais été faite sur YouTube. Une série fut, hein, l'équipe de l'abonné. Donc, chaque semaine, ou tous les 15 jours, vous allez m'envoyer sur Skype. Hein, mon Skype, c'est comme ma chaîne YouTube, hein, c'est XKZX8. Ou sur YouTube, ou sur Twitter, ou sur Facebook. Je mettrai tout dans la description, mes réseaux sociaux. Vous allez m'envoyer un lien futed de l'équipe que vous me conseillez. Donc genre une équipe à moins de 30 000 crédits quand même. Hein. Une équipe argent, bronze, or, tout ce que vous voulez. Et si ça me plaît, elle me plaît bien, si j'ai envie de me la faire, je me la fais. Et je la teste. Et je la teste en live, en vidéo sur YouTube. Et je dis voilà, c'est l'équipe de l'abonné. Je dis son nom. Et s'il est youtubeur, ben je le mets dans la description, sans souci. Voilà, vous allez me conseiller une équipe, et peut-être l'équipe sera mise en vidéo. Et peut-être une petite dédicace pour vous. Eh oui, attends, dédicace de kebab, ça ne se refuse pas les amis. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ça, concernant la série. Voilà, sur PS4 ça continue, il y aura des séries sur PC. Si... Il y aura une série sur PC avec un youtubeur PC, hein, Tony Katz. Donc je sais pas si j'en ai parlé dans cette vidéo, parce que comme ça fait deux fois que je la commente, hein, je le répète ça. Enfin, je me rappelle plus si je l'ai dit dans la première ou dans la deuxième. Je vais faire des vidéos PC avec un youtubeur, Tony Katz, je le répète, qui a moins de 100 abonnés et qui mérite pas. Parce qu'il mérite vraiment plus, sincèrement. Il fait du boulot d'enfer. Il fait du commentary d'enfer. Il fait des séries, il fait des présentations d'équipe de la semaine, des présentations, une série sur FUT, pour bâtir une putain d'équipe. Il fait des petits conseils d'achat-revente. Vraiment, c'est plutôt pas mal. S'il vous plaît, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Si vous aimez bien ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir de vendre de petits kebabs. Donc, je ferai certainement des vidéos peut-être avec lui en coop ou des vidéos en 1 contre 1. Qui devrait, là, 1 contre 1, devrait arriver aussi cette semaine. Cette semaine ou en milieu de semaine. Hein. Donc, partie 4 de mon petit débat, de mes petites questions dans cette vidéo. Donc maintenant, on va se retrouver de la prestation de mon équipe. Donc c'est simple, hein, avec une attaque Menez Cavani qui est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Donc en gardien, on a Sirigu. Hein. Donc il m'a fait une passe décisive quand même. Hein. Nkoulou qui m'a fait 94 matchs avec 91 matchs pour Thiago Silva aussi. C'est une défense qui est vraiment pas mal. Hein. C'est la base du Ligue 1, ça. Donc en défenseur droit, Mariano, que j'y viens d'acheter. J'ai pensé à lui. Parce que Fanny est un peu la traîne. Après, Pedimo en défenseur gauche. Matuidi, c'est le chef, hein, du milieu défensif central. 79 matchs pour 4 buts et 11 passes décisives. Payet, voilà, qui est vraiment irréprochable. Même si James Rodriguez me donne envie. Mais voilà, étant Marseillais, je préfère quand même Payet. Moutinho, il me fait plaisir en nombre de passes quand même. 43 passes décisives pour 23 buts. C'est extraordinaire. Au début, je voulais prendre Valbuena, je l'ai, hein, mais je préfère Moutinho. Après Cavani, voilà, c'est 83 matchs pour 104 buts et 45 passes décisives. Menez, c'est 93 matchs pour 92 buts, c'est en moyenne un but par match. Après, on aura passé en Mandanda, pour moi, c'est un peu une quiche. Marquinhos, bon, quand un des deux est fatigué, j'aime bien. Digne, que je préfère plus du tout, parce que Bedimo, sincèrement, il a pris de la graine. Donc Valbuena, vous voyez, même s'il a des belles stats, je préfère Moutinho. Gignac, c'est 49 matchs, hein, 42 buts. Sincèrement, c'est un bon petit joueur. Je faisais passer les crédits. Je viens d'avoir Cissé là à 3500 parce que c'était le seul sur PC, donc il coûte plus cher. Donc il m'a marqué beaucoup de buts, il m'a fait plaisir. Donc voilà, Fanny un peu à la traîne. Donc maintenant je mets Mariano. Après Abdenour, sincèrement, un défenseur que je vous conseille. Physiquement, il tient bien. Donc voilà, bon, ça sera bien. C'est bientôt la fin de la vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Hein, sincèrement, je l'espère. Donc n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, hein, ça me ferait plaisir, des petits likes,
ça me ferait plaisir. Donc je mettrai les liens de ma page Facebook, Twitter, de mon confrère YouTubeur, prochainement faire des vidéos avec lui. Je mettrai tout dans la description. Donc c'est vraiment un plaisir de reprendre le travail de YouTubeur, de reprendre un peu toute notre passion. Donc voilà, c'était XKidXX8, bande de petits kebabs, and yeah man, allez salut tout le monde, allez bye bye. Allez, salut les gars.